salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le retour incroyable. Ouah, wow, Jiraya, le métallurgeur, le métallurgeur. Hein, l'homme dans la métallurgie, voilà, c'est, il est là, il est expert, il a son petit fer à pied dans la main, il est super chaud. Et d'ailleurs, est super bien fait les modes hype, hein. J'ai pas de sourire, j'ai plus rien. Mais gros, je vois, t'as pas de tête. Tu sais que derrière ce sweat se cache un homme. Se cache un homme qui a mal, qui a son cœur saigne. Les amis, la France souffre, les amis. Donc on est parti pour notre épisode 3, feat de Patrick. Je n'ai ni bouche, ni yeux, j'ai plus rien. Sans doute la capuche qui prend le dessus, parce que je me suis crafté une petite armure. Alors, Gigi, j'avais 2-3 minutes. Je nous ai fait un nouveau jardin. Et puis moi, je suis allé chercher de l'eau. Bon, voilà, j'ai tout refait, j'ai refait une baraque. On s'est fait plaisir. J'ai découvert un truc de ouf dans mon inventaire, j'ose pas le tester, on va le faire tout de suite ensemble. Donc, les gars, je vais t'expliquer. Là, on a plein de bouffe, hein. Notre jardin, on a des patates. Voilà, notre jardin et notre maison ont dû être déplacés parce que il a dû terraformer on the spawn Aurélien Samar. Voilà. Donc ils nous ont déplacé notre petite maison et notre jardin. J'ai ça, mec, attention, rentre pas dedans, je rigole pas. Frère. Ça, ne rentre pas dedans. Ça, je crois que ça te téléporte quelque part ou j'en sais rien. Tu veux tenter ou pas? Oui. T'es où? Adieu! Attends, en fait ça te fait. Ouais, ça fait comme un saut! Attends, bouge pas! Si on tombe de. Attends, bouge pas! T'es prêt? Vas-y. Attends, faut tomber pile poil dedans. Adieu! Ouais, ok. Donc ça équivaut à une sorte de jump. C'est sympa, bah on va le garder au cas où, hein. On va le garder. Ouais, on prend un peu de dégâts, mais ça va, non. Miskin, c'est sympa. FTP, il y en a, il meurt par des zombies. Voilà, Miskin, hein, Miskin, comment tu dis? Miskin, ça veut faire des FTP, ça assume pas, ça meurt contre des zombies. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on a. Bah, nous, on peut mourir avec de l'eau à tout moment. Donc, bon, mon cher. Oh putain, merde. Bah voilà, j'ai niqué le champ à sauter. Alors, mon cher Gigi, j'ai creusé en moins 11. Je nous ai ramené énormément de lingots. On va commencer à essayer de faire des petits bails sympas. Ouais, j'ai toujours pas de fût, toujours pas de trucs. Mais non, bon, mais j'ai ramené plein de lingots. Fais-toi ce que tu veux. Tiens, un lingot de cuir, tu peux faire des trucs cool. Non, prends copper lingot. Non, prends les copper, il y en a 42, on en a beaucoup. Je vais chercher des ressources. Bah écoute, étant donné que t'es quand même notre ferrailleur préféré. Moi, je suis dans la métallurgie. J'ai tous les livres. Voilà. Alors, je suis en train d'étudier actuellement le japonais et la métallurgie. Donc, deux activités qui vont bien ensemble. Japonais, je précise que pourtant, le Japon t'a écœuré. Hein, mais bon. Ouais, ça, c'est ah, le lourd. Donc, ouais, Gigi, voilà ce qu'on va faire. Essaye de nous trouver un petit truc qui pourrait être sympa à faire. En attendant, après on va aller explorer la porte des étoiles. On va tenter de l'ouvrir, cette putain de porte. Mais juste avant ça, je vais prendre un max de ressources. Ça va ou pas? Écoute, regarde bien ma bouche. Regarde ma bouche. Qu'est-ce qu'elle dit, ma bouche? Alors, si je lis sur tes lèvres, tu me dis actuellement, je vais aller récupérer un max de ressources. Voilà. Fais-toi plaisir. Je vais étudier la métallurgie. Je vais aller creuser un peu, voir. Je vais chercher d'un bout, peut-être, trouver des ennemis. Ouais, j'ai déjà creusé en moins 11. Je vais essayer de ramener des ressources rares et puis on se retrouve dans pas très très longtemps. Écoute, Je dis ça comme si on allait se quitter vocalement aussi, mais bon, je vais essayer de prendre un max de ressources. Adieu. Et nous faire plaisir. Adieu. Bah, et adieu. Tu veux que je lis, je commence par quel livre? Mais écoute, moi je suis dans la lecture. Qu'est-ce qui t'intéresserait de faire, franchement? Parce que bon, n'oublions pas que le biceps c'est une ligne porteuse, hein. Ça on va pas. Moi je vais pas te cacher que la métallurgie c'est un truc qui me tombe bien, quoi. Mais c'est après il y a le Reactor Craft Handbook aussi. Et moi tout ce qui est réacteur, j'ai travaillé quelques années en tant qu'ingénieur et du coup. Mais la métallurgie, oublie pas quand même que t'as fait des études dedans, quoi. À la base t'étais passionné. C'est vrai. On a peut-être pas le même maillot, mais on a la même passion, au fond. Bah écoute, essaye de tenter un petit truc. On va voir ce qu'on peut faire. Fais le pas. Tu sais, dès que t'as trouvé un petit truc qui peut être sympa, viens on se crée une arme de ouf déjà. Non? Dis-moi les ressources, j'essaye de trouver ça. Vas-y, genre un lance-flamme ou il y a forcément un petit truc, tu vois. Bah, je garde tous les bouquins et je vais checker ça, d'accord? Ouais, écoute, je te laisse dans le salon de lecture, tu checkes ça et tu reviens vers. D'ailleurs, il n'y a pas de salon, je vais me faire une petite véranda. Ouais, fais-toi une petite véranda avec vue sur la ferme et puis tu checkes ça. On va les lire. Alors, on a lu les commentaires, ça fait extrêmement plaisir l'accueil que vous avez eu. Parce que, en fait, vous êtes dans la plupart de la même mentalité. Voilà, dans l'ambiance et la même mentalité que nous. Vous êtes là en mode, ouais, certes, on est sur FTP, au final, des gars comme nous, on n'a peut-être rien à y faire pour certains. Mais on est là pour la rigolade. La rigolade, le fun, une bonne après-midi, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit si tu regardes cette vidéo la nuit. Mais voilà, on est là pour s'amuser et beaucoup l'ont compris.
Après, c'est sûr que c'est pas nous qui allons faire des réacteurs à 8 cylindres parce qu'au final. Oh, attends que je vais ma prise de lecture déjà. Ouais, on va pas parler d'avance. C'est vrai qu'à tout moment, quand t'as fini le livre, t'es une machine. Mais on va peut-être pas vous faire des trucs genre juste immenses comme certains. Parce qu'il y en a qui terraforment. Nous, le seul truc qu'on va terraformer, c'est ton trou de balle, gros. Le truc que je connais dans Terra, c'est le jeu vidéo. Donc, moi, c'est Terraformas, le manga. Ça s'arrête là, notre connaissance. Mais voilà, on est là pour le fun, on est là pour s'amuser. On va découvrir de nouvelles choses aussi, comme créer des lance-roquettes. Arracher tout le monde et puis se barrer discrètement. Moi je propose que comme maintenant on peut plus voir ta bouche, donc on peut dire que t'as une cagoule, on peut aller piller aussi. Oui, c'est vrai. Sans pression, quelque part. C'est vrai barrage. Qu'on peut aller piller depuis que ma bouche a totalement disparu. Non mais c'est roleplay, gros. Moi je joue le jeu, faut que les mecs en face jouent le jeu, quoi. On va essayer de faire plein de petits trucs assez sympas et on espère vraiment que ça va vous faire plaisir parce que nous ça nous branche pas mal. Alors les gars, allumez le jeu, je rigole pas, hein. C'est une mission à la base. on devait record à 15h, à la base il est 16h30. Voilà. C'est une mission pour GG. Et alors pourquoi? Parce que il se trouve qu'il y a eu des petites erreurs serveur à droite à gauche qui ont fait que mon jeu ne fonctionnait pas. Mais bon, cela ne vous regarde pas. Voilà, et de toute façon, on ne mêle pas les amis à ce genre de délire, hein. Regarde pas. Donc on est parti, je jette 2-3 trucs. On essaye de trouver aussi comment nous faire une petite tenue sympa, genre vraiment ouf, tu vois. Là c'est vraiment dégueu ce qu'on a, hein. J'en perds ma bouche, gros. Non mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, quoi. Moi j'aimerais quand même qu'on ait un peu la classe, quoi. J'en ai perdu littéralement mes mots, je voyais ma bouche partir. J'ai mis le casque, ma bouche elle partait, tu vois, ça l'a saoulé. Et l'homme sans bouche, c'est un peu chiant. Je ramène un peu de redstone parce que pour faire des mécaniques, parce que je connais bien prendre la redstone parce que je prépare un roller coaster sur le teco de notre maison, tu vois. Voilà, on va se faire un petit coup de sopa. C'est moi pour les moments détente, pour les épisodes détente, vraiment. Bien joué, toi, c'est incroyable. Alors attends, il y a plein de trucs qui tombent des arbres, je sais pas. On va casser. Un peu de minerai d'osmium, ça t'intéresse ou pas? Je trouvais que ça manquait un peu dans le ragoût de ce midi. Bah écoute, franchement, si tu as l'occasion de te permettre. J'ai aussi un peu de cadmium, écoute, on va pas. C'est le genre de folie. Moi je voulais laisser pour le jardin. Est-ce que tu veux qu'on fasse pousser un peu d'acacia, quoi? Écoute, si on peut en faire si on peut en faire une petite déco artisanale, ça m'intéresse bien l'acacia. Non, parce que hier j'étais sur Silence ça pousse, tu vois, et je me disais que l'acacia était grave sympa. Moi ça me tombe bien, on part sur un peu d'acacia, y a pas de soucis. Oh. Un peu Moi je suis. Okay, pas de soucis, mon pote. Ok, bon, faut qu'on se fasse un sac à dos, miskin, parce que là, j'en ai marre. J'ai découvert la fin de l'aventure. Non. Parce que toute aventure a une fin. Ça y est, on a fini le jeu. Non, on l'a déjà terminé. J'ai découvert une petite source sympa. J'arrive, je vais mettre plein de trucs à faire chauffer, très sympa. Et puis on est reparti pour de totales aventures, totalement. Moi, je me fais un petit kiff, hein. Moi, je te cache pas que là, actuellement, je kiffe. Tu lis vraiment là ou tu te fous de ma gueule depuis tout à l'heure, en fait? Parce que. Ah non, je. À la base, tu devais lire. Non, je sais. Oui, je lis, mais en même temps, je me fais une salle de lecture. Donc, je lis tout en faisant une salle de lecture. D'accord. Eh, l'épisode 3, on va le nommer la salle de lecture, hein, de toute façon. La salle de lecture, exactement. On va pas tergiverser sur le titre, hein, les amis. Hein. Mettre une petite Valérie Davido en miniature. Franchement, épisode 3-4, on va tenter de se mettre bien, c'est-à-dire une armure. Une armure marne, de la marne. De la Seine-et-Marne. Et voilà, on va se mettre des trucs super sympas. Et puis, épisode 5, on va tenter de faire fonctionner la porte des étoiles. Parce que bon, je sais que ça tire. Ah, mais ça, je sais pas. Alors, figure-toi que le hasard a voulu qu'avec Fufu, nous étions sur Paris jeudi soir. D'accord. Et apparemment, la porte des étoiles a été faite par Taek, de ce qu'il m'a dit. Après, est-ce que c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Qui suis-je pour juger, hein? D'accord, mais elle mène nulle part. Mais je ne sais pas. Lui-même n'était pas capable de me répondre. Je lui ai dit, parle, enculé, il m'a pas répondu. Donc, d'accord. D'accord, mais toi, en fait, tes vérandas sont plus grandes que les maisons, non? Ah oui, non, mais moi, je me fais une vraie véranda. Attends, espace. C'est quoi? 24, c'est pour toi. Franchement, merci à toi. J'ai pas les mots, j'ai pas ta bouche. J'en perds la bouche, hein. On va pas tergiverser encore là-dessus, mais bon. Alors écoute, franchement, ça peut être une pièce très agréable à la lecture. Je te cache pas que. Franchement, ça va être cool. Ça va être cool. J'ai kiffé avoir une pièce de lecture. Une belle pièce ou pas? Par contre, si tu rentres dans la pièce, c'est uniquement pour lire. Si tu lis pas, bien sûr. À la base, je comptais rentrer juste avec un livre. Qu'est-ce qu'on peut se faire de sympa là? Et dis-moi, qu'est-ce qu'on peut se faire de sympa, touche? Bah écoute ton cœur. Ah, des oui. Moi si je peux t'en mettre plein la vue pendant que tu fais tes petits bails. Si tu veux en mettre plein la vue à tes potes, n'hésite pas. Vraiment. Putain, on est vraiment les pires. Nous on est encore en kiff sur les feux d'artifice. Bah c'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, ça a duré 14 épisodes encore. Tant qu'on n'aura pas fait tous les feux d'artifice, on ne s'arrêtera jamais. Ok.
Donc là, ça sera le côté détente plutôt coin jeunesse. Tu me fais un petit coin kids, vite fait là, parce que c'est un coin kids. Tout ce qui est BD, Titeuf et tutti quanti, on sera de ce côté-là. Moi, vous l'aurez compris. Oh bah tiens, si je te peux te régaler encore une fois. Régale-moi. Oh bah, gros, mais vraiment, régale-moi, je quoi. Je te régale. Je veux des feux d'artifice plein partout. Je veux que ça déborde d'artifice. On aime les artifices, nous messieurs. Je prends plein de lingots. Il faudra que, une fois que ta salle de lecture soit finie, par contre, tu lises. Ça sera. Le but sera quand même. Ça sera bien. Attends, tu veux que je vois. Bah, tu sais quoi, pendant que ça cuit. Hey. Parce qu'on va faire le travail à deux, on va pas te mâcher le travail. Je vais essayer de dire. Ah, on peut faire à peu près une variante de 800 lits différents. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah, va voir page 3, tu vas être super bien, mec. Attention, faut que tu sois prêt. Je suis pas prêt. On peut se faire des petites biblios. On peut se faire des petites tabourets, table. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit Sims par hasard? Ça me tente bien, ça. Mais mec, tout ce qu'on peut faire. Est-ce que la seule limite ne serait pas notre imagination, quoi? Mais bien, mais c'est totalement fou. On peut faire toutes les potions au monde. Mec, franchement, là, je suis en train de... Non, mais par contre, il y a 106 pages, bonne lecture, quoi. Bah, moi, alors, attendez. Chaud. Attendez, moi, je cherche déjà la page des armes. Est-ce que... Oh, on peut faire une... Gros, bâton dansant pour les petites odeurs et tout. Waouh, comment elle est ouf, cette épée? Ok, il me faut de l'élémentium. Le mec, ça, il veut déjà se faire des épées, il est chaud. Waouh, lame de... Mais gros, c'est un MMORPG, le bordel. Bah, bien sûr. Oh, mais t'as des épées, mec. Mais on est là pour survivre, hein, je te rappelle. Épée en manacier. Pourquoi c'est long? Il me faut des brindilles de vive bois. Faut de ma gueule. De vive voix. Alors. Non mais mec, on peut réellement faire des trucs de ouf. Ah, je vais chercher. Je vais m'appeler Maître Splitter, Maître des éléments. Mec tu peux faire des cœurs nucléaires et tout. Ouais, mais est-ce que t'as un coin lecture au final? C'est vrai que non. C'est vrai que ça, c'est le seul truc qu'on peut. On peut faire des alliances. Mec, c'est écrit en langage. On peut se marier? Mais gros, attends, c'est écrit en langage Stargate. C'est en Goa'uld? Mais gros, je crois oui. Attends, c'est quel livre que t'as lu? Page 15, mais non, c'est quand t'appuies sur E. Ah, page 15. Mais non, mais mec, tu peux faire des compteurs, tu peux faire des BMW, hein, gros. Le mec arrive en bas. Hey, comment on fait? On se ferait pas le fil rouge, on se fait un parapente? Viens, on fait une voiture, quand on appuie sur un bouton, ça va tout droit. Non mais, et on va explorer l'univers. T'as vu l'arc? Il y a un arc qui s'appelle le Red Arum Pickaxe. Non mais mec, tu vas être choqué de tout ce qu'on peut faire. Oh là, oh là, on peut faire des abeilles. Des Pac-Man aussi. Comment on fait pour les faire? Ah, c'est... Non mais mec, c'est... Mais mec, c'est trop compliqué, il faut des trucs là, Molten Refinette. Non mais, oui, non mais ça va se faire petit à petit, tu vois. Alors attends, enfin, je vais faire une porte. Je crois, je suis pas sûr. Et n'hésitez pas à nous dire en com, comme d'hab. Non mais mec, c'est ouf. Ça ne s'arrête plus. C'est la première fois de la vie que je fais une porte sur Minecraft, trop bien. C'est vrai? Et t'as réussi? Ouais, j'ai réussi. Bien joué à toi. C'était en première page du livre de 8. Ok. Comment on fait une serrure? Parce que j'ai pas envie que les gens viennent lire comme ça, sans prétention. Tu rigoles, tape serrure, je suis sûr, il y a moyen. Attends, mais il y a un centre de recherche, serrure. Bouge pas, gros. Vas-y. Fais-moi ça, moi je construis mon espace lecture. Oh, il y a une serrure, cousin. Bah, ça a été sûr. Hein, serrure sûr. Et clé. C'est BiblioCraft, comment on fait ça? Bah, je sais pas, mais ça a l'air vraiment... Ça a l'air bien, mais Non, mais tu sais qu'une serrure dans ce mode-là, ça sert à rien. En vrai, le mec, si vraiment il veut rentrer, il pète la baraque, hein, mais bon... Oui, mais non, nous, on est des ricains. Nous, mec... Non, c'est notre côté pas. Du Massachusetts, un peu. Ah, mec, attends, ça va aussi. Ok. Mec, on peut réellement se faire des trucs de ouf, hein. C'est vraiment pas mal, hein. On va pas trop être gentil, quand même, parce que Hyper, il va s'enflammer de nous avoir invités, mais on est propre, hein. Ah ouais, non, moi je veux pas être gentil, je suis pas là pour être gentil. Je suis pas là pour me faire des potes. On est pas là pour faire des cadeaux, nous, hein, ça va aussi. À quel moment, rien à foutre, moi, des gens. Attendez. Attends, je vais me faire. Ah ouais, j'ai une idée, attends. C'est vraiment. Écoute, je vais chercher un max de ressources. Un max de ressources. Un max de fun. Et puis je reviens tantôt. Mec, prends un max de bois et replante aussi. Ça pourrait être pas mal. J'ai des pommes de terre empoisonnées. Et t'as faim, Gigi? Bah, j'ai un petit peu faim, je te cache pas. Un petit gratin, ça te tenterait ou... Si t'as du gratin dauphinois, ça me tenterait bien. Tiens, je t'ai mis de la bouffe en bas. Parfait. Parce que là, j'ai des potates. Ok, il nous faut max de ressources. On va essayer de chercher un max de ressources et on va voir tout ce qu'on peut faire. En tout cas, très sympa, hein. Mec, tu peux. Alors, mon espace lecture est complètement fait. Genre, franchement, ça fait grave plaisir. Comment il a fait d'ailleurs l'eau résonnant là? Le truc qui fait. Bah, je crois qu'il a crié dedans pour que ça résonne et puis. Ouais, et ça, depuis son cri résonne à l'infini. La légende raconte qu'il crie toujours. Oh, j'ai eu des fraises! Attends, ça, je crois que c'est rare, hein. Ça peut être ouf.
Bah des fraises, ouais, c'est méga rare. Mais... Oh là là, alors, si on a de la chantilly, on peut se faire un putain de dessert, mon gars, ça peut être. Ah non, mais je crois avoir trouvé des fraises. Des fraises, mais de type frisé. De type Ichigo. Ouais, strawberry 8805 de Kitchen Mode. Bon ça. Bon ça, très très bon. On est vraiment, on est déjà incroyable dans notre aventure, je pense. Alors, mec, j'ai du cristal de gélatine. Non. Ça peut être super intéressant, je pense. N'hésitez pas hein, dans les commentaires, dites-nous, venez nous regoser comme ça. Attends, qu'est-ce que c'est, c'est le mec. Est-ce qu'on a du sable quelque part du sable, non, on a de tout. Comment ça, il y a un plan d'eau ici, mais il n'y a pas de sable. Attendez, est-ce que... Appelez-moi le directeur. Attends, j'ai peut-être trouvé des trucs sympas. Ah si, il y a du sable. J'ai peut-être trouvé des trucs super sympas. Mais pourquoi je me fais pas, je suis un connard, pourquoi je me fais pas directement... Du sable, tu crées l'homme qui crée du sable. Je crée du sable directement. Non, mais pourquoi je me fais pas une putain de pelle. Là, oh wow. Et Dieu créa le sable. Et Dieu créa la pelle. Alors attends. Oh, la gueule de la pelle. Oh mec, fais-toi une pelle, tu verras que le mode est buggé. Genre en gros... Ça dépend avec ah, quoi. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Et voilà, bon. Super. Non, mais en gros, ça faisait... Ça affichait l'image en entier de la pelle. Mais non, mais j'ai besoin de bois. Gigi. Quoi? Il me faut du bois. Bah, prends des arbres et prends du bois. Ouais. Non, mais moi je te dis, hein, moi j'ai passé là, mon but ici c'est de faire une librairie. Vas-y, fais. Hey, mais par contre. Mais non, mais une vraie librairie avec des vitres et tout, mon gars. Attends, je suis pas là pour. Ça va et aussi. Et gros, une meuf à la caisse et tout, hein. Et ah, jamais, oui. Si on se fait cambrioler, elle parle. Elle dit, ouais, moi, gros, pourquoi ça. Non, mais là, ce que je vais faire, puisque j'ai déjà lu tous les livres, je vais créer une IA intelligente qui va forcément prendre des clés fermées à 19h pile, la librairie, etc. Non, mais je vais. Ah, oui, ah, non, moi, je suis là pour créer de l'emploi, les gars. Nous, on est pas là pour rigoler, nous. Nous, on est là pour faire tourner le monde. On est là, on nous a dit, les gars, faut créer une civilisation. Bah, nous, on va te la faire, civilisation. Ta hein. Civilisation et tu vois, ça va marcher. Tiens, il y a un mec qui dort là, il en est à 11% de son sommeil d'ailleurs. Oh là, 22% son pote, et il le rattrape dans le sommeil, on n'est pas bien. T'as du charbon. Mais attends, quand tu dors, ça te fait quelque chose de spécial. Mec, dis-moi qu'on peut faire un lit. T'as de la laine? Non, parce que là, dormir, ça a l'air ouf, hein. Tout le monde se met à dormir en même temps, il doit y avoir quelque chose. Hein. Ouais, il doit y avoir un event dans les rêves. Ouais, non. Franchement, tu dois aller dans une autre galaxie, gros, hein, parce que, à mon avis, c'est... Ah oui, d'accord, donc j'ai besoin de bois et toi tu l'utilises normal pour. Non, c'est bon, genre. Super, bravo, c'est super, j'avais un ami. Alors, mais attends. Attends, il y a des gens dans les commentaires qui nous ont pas répondu à comment faire une ferme automatique. Ouais, et ça, c'est des salopes, ça, tu vois. Ça, moi, je pardonne pas, moi. ça ces trucs-là. Moi, ça me fait mal, moi. La France a mal, les amis. Ou alors, peut-être qu'ils ont répondu et avec des termes techniques qu'on a absolument pas compris. Ou alors, peut-être qu'ils ont répondu et qu'au final, tu t'en battais littéralement les couilles. Peut-être que j'ai jamais lu les commentaires et que je vous fais croire que je suis un vrai youtubeur. Peut-être qu'au final, t'as fait l'américain. Il s'avère que t'as jamais ouvert les commentaires. Si, le pire, c'est que j'ai regardé les commentaires de ta vidéo et de la mienne. Oh là là là. Oh, mais double travail. Voilà, double travail. Donc, je peux vous dire que les heures sup, elles sont pas payées, ça fait déjà mal. Bah, double travail pour un homme qui n'a juste peur de rien, quoi. Alors, écoutez, si vous voulez nous expliquer comment automatiser un truc, soyez concret, c'est-à-dire expliquez dans les commentaires. Gigi, si tu veux faire. Imaginez que vous parlez à votre. Deux points, voilà. Imaginez que vous parlez à vos parents et que vous essayez de leur expliquer le but de FTP. C'est un peu ça, sauf que voilà, on n'est pas vos parents. On n'est pas et vos darons. Attends, par contre, je suis ton daron, moi, s'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, mais c'est ça s'arrêtera là, donc attention à vous, les gars, ok. On vous a à l'œil, nous. Allez, vas-y, je retourne en bas, mec. Je vais. Ah oui, mais alors, toi, tu fais des doubles bibliothèques là, à triple entrée, là. Mais mec, t'as vu? Elle est stylée ou pas? Franchement, ça commence à avoir de la gueule. Mais ça fait un truc de ouf, honnêtement, ça a de la gueule. Écoute, franchement, pour toi, je pourrais décrocher la lune. Je pourrais décrocher les étoiles. Vas-y, tu sais quoi? Ah, j'ai trouvé une pomme. Eh, est-ce que avec une pomme, on peut créer une ferme à pommes? Bah. C'est-à-dire des pommiers, quoi. Mais ou alors, attends, je suis sûr que oui. Et tu sais ce qu'on fait à côté? Un mécanisme qui crée des tartes à la pomme. Oh, des tartelettes. Oh oui. Des tartelettes. Je suis sûr que ça existe. Tape tartelettes. Attends. Minecraft. Tarte. Ça va être des cubes, les bordels, là, on sera pas prêt. Et ben, il y a la tarte à la citrouille, il y a la tarte au bœuf et aux huîtres, ça a l'air très bon, ça d'ailleurs. Je te ferai un petit kiff. Ouais. Bœuf et huîtres, je vois pas, ce qu'il fâche. C'est un peu le délire. Waouh, super. Je vois qu'on peut plus discuter, toi et moi, depuis que tu veux faire des tartes, depuis que tu veux te lancer dans les pommes. Depuis que t'as quitté la métallurgie, t'es plus le même homme, mon pote. Et ça, on te l'a peut-être pas assez dit, tu vois. T'es plus le même gars. Par contre, en vrai, j'ai pas de cobalt, quoi. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Petit saut. Mais c'est bien qu'on se sépare comme ça, tu vois, toi tu fais le petit truc, chacun sa petite créa. Chacun sa vie, c'est mon plutôt, gars. Ouais, c'est plutôt innovant. Marier ne veut pas dire emprisonné, quoi. Donc, exactement. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, je suis pour la liberté de tous, la liberté de chacun. La liberté nous appartient. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais?
J'ai trouvé un truc. Bah écoute, moi je suis en train de miner. Voilà, je suis en train de miner de manière formidable. Oh, succès. A rare side. C'est mon côté American. Back in moors. Moi je crois, vas-y. J'ai trouvé des champignons miroitants au citron. Non. Je prends. Des vrais miroitants. Des vrais champignons de type miroitant. Viens, on fait une champignonnerie. Mais par contre, on a toujours pas de diamants ou de fer. Viens, on fait tout et au final, on fera rien dans cette aventure. Les mecs, ils lancent 14 000 projets. Attends, bah déjà, on va. Wow. Pardon, ça résonne. Je suis dans une montagne à l'heure actuelle. J'ai trouvé un truc de ouf. C'est quoi? Une grotte où il y a tout. tout. Non, mais mec, c'est ouf. Non, sérieux? Ouais, sérieux. Non. Oh là là, putain, ouais, t'es bonne, bébé. Minerai de quartz, ça c'est bien le quartz pour faire des usines nucléaires, je connais bien. It's a plan, bro. Pardon. Excusez-moi, monsieur. It's a plan. Oh, du red fluorite pour se faire. Eh, viens, on peut faire du dentifrice. Non, moi je veux faire. Viens, on fait un parapente. Ah ouais? Comment? Non, mais vas-y. Ça c'est bon. C'est... Vas-y, vas-y, tu attends. Je check? Non, je vais checker, vas-y. Tu check, vas-y, check. Check pendant moi. Parce que pendant que moi je prends du charbon, histoire attends, d'avoir parapente. Un. Je vais faire ah, une c'est usine peut-être de pas charbon. En français, ça s'écrit peut-être pas pareil, ça cherche. Tape repent. Repent. ça ne marche pas. Vas-y, occupe-toi du paratonte, je vais m'occuper du. Ah d'accord, dès que ça trouve pas, ça balance les trucs aux potes. J'ai. Parachute. Oh, y'a un parachute. Mais gros, je vais faire le parachute. Mytho. Mytho, enfin bah. Eh, gros, tu sais quoi, moi je fais un avion, je fais un parachute et on fait un baptême de l'air. Il faut de l'acier électrique. Bon, jusque-là. Jusque-là. Ah non, ça c'est un parachute automatique. Quoi? Un parachute automatique? Plaque de carbone. Écoute, il faut de la laine, de la ficelle et plaque de carbone, on a notre parachute. Bah là, il va falloir partir en quête de mouton. Alors, mon copain, mon cousin? Mon copain. Eh mec, j'ai du cristal de quartz. Je pense qu'on peut faire vraiment alors du moi, sale. Alors j'ai un truc, le color. Ça, c'est quoi? C'est magnétite or, on en a besoin ou pas? Oui, mais en fer. Donc, pas vraiment. Mais tu peux le prendre, c'est cool. Je le prends. C'est cool, ok. Ouais, si c'est cool, c'est, alors ça va. Si c'est cool, ça va, je non, mais prends. Si, entre toi et moi, c'est cool, ça va. Tu vois, y a pas de galère. Ok, les gars, il y a tellement de trucs. Tu sais, je suis tellement content. Enchanté, Tiger, mes couilles. Des yeux enchantés. Ah, si René était là pour voir tout ce qu'on fait. Ah, tu sais, mon ami René. Mon ami René. Tu sais, je suis pas tellement content de tout ce qui se passe en ce moment. Eh, hey, pas dégueu quand même mon imitation. Moi j'arrive pas à faire. T'es trop fort pour moi. Oh, bon, buisson à baie de fer. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh non, j'ai jeté des bâtons. Le serveur en tout cas il est très rapide. Des zombies. Il y a des zombies. T'es déconné, j'aurais pas dit. Eh, je crois qu'on va s'arrêter là par contre. Hein. Non. Bah, ça fait déjà, mec. Est-ce que le suspense est à son comble? Bon, écoutez. Bah là, je pense que les gens sont en kiff. Hein, faisons le point. Là, on a une bibliothèque ici. Donc, c'est-à-dire que je me mets là. Bon, elle est vide, hein, mais je me mets là. Je me sens bien pour lire actuellement. C'est, ah, bah là, c'est meilleur. Hein. On a un jardin. On a notre petite vie de couple. Voilà, on va pas se le cacher. Franchement, on est méga ouf. Là, on est méga ouf. Et comme n'importe quel couple, on a envie de faire des activités de couple et on voudrait sauter en parachute. Et donc, franchement, voilà, les gars, on se retrouve. Épisode 4, on va penser aux armes. Franchement, armes et après on s'équipe en parachute, parapente et tout ça. Et gros, et le mieux, ce serait qu'on saute d'un bâtiment, on descend avec un parachute et on tabasse un mec dans les airs. Ouais, on arrive en héros. En parapente. Et on tire avec des flèches. On va voir ça. On passe au-dessus d'une maison où Epia est en train de construire tranquillement et on est en live, on passe au-dessus. Eh, ça fait pas mal là, faire des petits events intercroisés là. Ouais. Ok, on va réfléchir à tout ça évidemment. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas les petits likes et les petits commentaires et nous dire un petit peu tout. On vous fait des bisous. Et puis des bisous à toi aussi, Jaria, parce qu'on t'aime. Ouais, moi je t'embrasse, je te lèche le visage. On se dit à très bientôt. Allez, à très bientôt, bisous, ciao. Salut!